I do something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce 13e et avant-dernier épisode de notre série spéciale Vodka Martini, consacrée au plus célèbre des espions. C'est pas le coronavirus qui va arrêter le saloon, et même si la sortie du prochain James Bond a été repoussée à novembre, eh ben on a décidé de terminer notre série Vodka Martini, même à distance, parce qu'en ces temps de confinement, quoi de mieux que d'écouter un podcast, enrichir sa culture cinéma et pourquoi pas revoir ou découvrir la saga James Bond. Tiens, quelle belle idée. Voici donc venu le moment de vous parler de Skyfall, film très important de la série, 23e James Bond, réalisé par l'esthète Sam Mendes. C'est Robin Genin qui va vous en parler aujourd'hui. Salut Robin. Salut Alex. On ne change rien, c'est juste qu'on prend notre vodka à Martini, chacun chez soi, en visioconférence, mais sinon tout va bien. C'est ça, et on espère que le son soit nickel. On revient donc à Skyfall, après le reboot opéré par Casino Royale en 2006, avec ce nouvel acteur, Daniel Craig, qui a fait du personnage un espion à la fois plus brutal et plus humain. L'autre tournant opéré par la franchise à la fin des années 2000, c'est celui de faire des films liés par un fil rouge. Et en 2008, on a eu le très moyen Quantum of Solace, qui débutait justement son histoire exactement là où Casino Royale l'avait laissé. Skyfall, quant à lui, qui est sorti en 2012, il respecte cette continuité, mais il fait un peu moins une suite directe avec Quantum of Solace. Ouais, alors quand tu dis commençait exactement au même moment, tu peux le dire, hein, puisque vraiment James Bond continuait quasiment l'action qu'il avait commencé dans la fin de Casino Royale pour la terminer au début de Quantum of Solace, donc c'était une suite absolument directe. Là, c'est vrai qu'on sent que le temps a un petit peu passé, même si le fil rouge est toujours présent. On prend directement dans le feu de l'action, comme c'est assez souvent le cas quand même dans la saga James Bond, avec notre agent 007 qui est à Istanbul pour essayer de rattraper un bandit, hein, tout simplement, qui s'échappe avec un disque dur qui contient l'identité de plein d'agents. D'agents secrets à travers le monde. Et alors déjà ça pose problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas que les noms des agents du MI6, donc ça peut poser problème, on va dire, à large échelle. Donc James Bond va être sur le terrain pour essayer de récupérer ce disque dur, mais il est à ce moment-là accompagné d'une autre agente qui va avoir un angle de tir et tiré sur notre ami James Bond, qui est donc laissé pour mort auprès du MI6 et auprès du reste du monde. Donc on va commencer à partir de ça avec une scène vraiment dantesque dès le début, hein. Ça c'est un terme qui va assez rapidement revenir. C'est vraiment des scènes presque culte sur culte sur culte. Là, c'est vraiment, ça commence avec cette course-poursuite en moto sur les toits du Grand Bazar à Istanbul, qui se termine par un combat sur un train super dynamique et super intense. Directement le suspense est mis et directement on est pris dans le truc. Ça marche très bien. C'est l'une des scènes de train, si ce n'est la scène de train la plus impressionnante de la saga, hein, je trouve. Enfin, on a quand même James Bond qui conduit un tractopelle à un moment donné pour ouvrir un wagon de train pour arriver in extremis dans le wagon qui s'échappait, et puis remettre son costume avec classe. Enfin, il y a toute cette imagerie aussi avec Craig qui est assez hallucinant dans cette scène, t'as raison de le dire. Ouais, complètement. Et puis ça enchaîne, donc James Bond se fait tirer dessus et tombe d'un pont, ce qui permet donc une chute dans l'eau et la transition vers ce générique que je trouve assez dingue, ce générique d'ouverture. Avec Adèle. Avec la chanson d'Adèle, hein, qui est pour moi vraiment une chanson vraiment nickel. La meilleure de la saga, allez, osons le dire. En tout cas dans le très très haut du panier, ça c'est évident, et ça marche super bien. Il y avait déjà un beau travail sur Casino Royale, j'avais pas eu le temps d'en parler, mais sur le générique de Casino Royale, celui-là marche aussi très très bien. Ah, et on se dit à ce moment-là, ah ouais, c'est très très bien parti, peut-être que le moyen, et encore c'est plutôt gentil, Quantum of Solace sera mis sous le tapis, on reviendra sur quelque chose d'un peu plus
Badass. Ouais, alors ça c'est clair. Et tout de suite, donc on a comme tu dis James Bond qui se fait tirer dessus, qui tombe dans l'eau. Et puis là commence le film réellement où en fait on va avoir un James Bond qui s'est complètement retiré de la vie, donc qui se prétend pour mort. En tout cas, le MI6 le croit disparu, le croit mort. Et on a un James Bond qui est affaibli après cet accident, qui ne sait plus viser avec son pistolet, qui s'est laissé un peu pousser de la barbe. En fait, ce début de Skyfall montre que le film a pour objectif de se centrer en fait sur la psychologie de James Bond et qu'elle va être au centre du récit. Parce qu'au-delà d'un James Bond affaibli, on va évoquer aussi ses origines et son passé dans Skyfall. Ouais, ça va vraiment être un film centré sur le personnage de James Bond, peut-être comme jamais ça n'a été le cas auparavant dans la série. Ce qui change et ce qui fait du bien aussi, d'avoir ce côté un peu plus humain ou un peu plus humanisé en tout cas, parce que c'est vrai qu'on parlait de ce fil rouge qui continue depuis Casino Royale. On sent complètement qu'on est dans la suite, c'est-à-dire qu'on a ce personnage, certes, qui est assez noir, qui est assez brutal dans les combats et dans les résolutions de certains dénouements. Par contre, on le sent aussi justement plus humain, avec cet affect aussi pour les femmes. Hein. Vous en parlez dans Casino Royale avec celle qui sera vraisemblablement l'amour de sa vie. On sent qu'il est encore marqué par ça, que c'est encore des choses qui le hantent. Et donc, ça fait un James Bond beaucoup plus humain, qui va donc sortir de son mystère, on va dire de sa disparition, suite en fait à l'explosion d'une bombe dans le bureau de M, donc sa chef avec qui il est très proche, ou en tout cas encore plus proche depuis Casino Royale. Ah, parce qu'il y a vraiment là, surtout dans Skyfall en fait, et puis déjà on sentait les prémices avec dans Casino Royale et Quantum of Solace, où M, donc incarné encore une fois par Judi Dench à l'écran, va jouer vraiment une figure centrale en fait du récit et de la dramaturgie, et surtout dans ce film. Une figure très matérielle finalement. Exactement. Ouais, complètement. Et c'est là où on sent, lui, il apprend, il est sur une île quelque part, une île paradisiaque, il apprend par la télévision qui a eu cet attentat, et donc il retourne à Londres pour être au rapport et reprendre son activité, parce que c'est là qu'on comprend qu'en fait l'ennemi de cet épisode est en possession de ce disque dur dont on parlait tout à l'heure, mm-hmm. et a l'air de vouloir faire une vengeance personnel presque contre le MI6, en dévoilant chaque semaine le nom de 5 agents, évidemment des agents sous couverture à ce moment-là, donc ça pose quelques petits problèmes. Et puis je trouve que ça marche très très bien, cette alternance en fait entre le personnage de James Bond qui va revenir à Londres, qui va, tu le disais, devoir repasser les tests d'entrée, on le sent beaucoup plus fatigué, il arrive moins à viser, on le sent un petit peu au bout de ses forces, et puis de l'autre côté le MI6 qui fait face, et j'ai presque envie de dire l'Angleterre en général, qui fait face à une situation extrêmement compliquée, parce que c'est évidemment des relations internationales qui se tendent, c'est une brèche absolument incroyable dans la sécurité de la couronne. Ah ouais, complètement. Et donc, en fait, il y a ces deux dramaturgies en fait en parallèle, le côté très humain avec James Bond et le côté, on va dire, un peu plus nation avec le MI6, qui marche très, très bien, je trouve. Ces deux menaces qui pèsent, en fait. Voilà, les deux menaces qui pèsent et qui je trouve, marchent très, très bien. Et puis, finalement, James Bond, vous en doutez bien, va réintégrer le MI6 et va commencer à partir en chasse de cette organisation, cette personne, on ne sait pas trop qui est derrière à ce moment-là. De ce grand méchant du film, qui est une immense qualité du film, un très gros point fort. C'est le méchant Silva, en fait, en blond peroxydé, incarné par Javier Bardem, qui a une entrée assez phénoménale aussi, avec un plan fixe qui se déplace en zoom petit à petit, plus le personnage éloigné va se rapprocher de la caméra en marchant et puis en récitant une sorte de un espèce de monologue métaphorique sur sa situation et celle de James Bond, avec cette histoire des rats, etc., qui se bouffent entre eux. Et en fait, on retrouve avec ce méchant, déjà au-delà du fait qu'il est assez imposant et puis qu'il fout les boules et qu'il se pose vraiment comme une réelle
nouvelle menace pour Bond, parce qu'il a, il a ce côté mégalo aussi et maniaque qu'on peut trouver chez, chez la plupart des méchants. Mais déjà, c'est surtout... déjà, et puis, excuse-moi de te couper, mais ce qui marche aussi très très bien la première fois où il arrive, c'est que tu as le passé de justement tout ce qu'il est capable de faire en informatique. Je veux dire, on apprend assez rapidement que l'explosion dans le bureau de M, le mec n'était pas sur place. Ou très probablement pas sur place. Donc, qu'il a fait ça grâce à des ordinateurs. Donc, même si tu ne sais pas forcément ses intentions, que tu ne sais pas forcément à quel point il peut être puissant dans la vraie vie, j'ai envie de dire, tu sais qu'au moins le mec, il appuie sur une touche sur son ordi et il y a tout qui pète. Donc, du coup, tu fais moins le malin et tu attends de voir ce qui se passe. Et je trouve que le personnage est extrêmement bien construit, extrêmement bien écrit. Javier Bardem est incroyable. Et ça pose un antagoniste vraiment imposant pour cette deuxième partie de film, finalement, parce qu'il arrive, on l'aperçoit pour la première fois, je dirais à peu près à la moitié du film. Donc ça commence à créer l'antagoniste. Bah surtout puisqu'il est aussi dans une vendetta personnelle, en fait, ce méchant qui veut, il veut se venger, en fait, vu que c'est un ancien agent du MI6 qui a été laissé torturer dans un pays parce que M, justement, il reproche en fait à M de ne pas l'avoir ramené en Angleterre à ce moment-là et de l'avoir laissé se faire torturer. Donc il y a une vendetta personnelle envers M et envers justement le personnage de Bond qui incarne un peu ce fils spirituel de M, si tu veux. Donc là, il y a le mythe aussi biblique d'Abel et Caïn qui intervient avec cette vengeance, cette jalousie en fait entre les entre deux frères ennemis pour la figure maternelle qui est très réussie et il s'impose comme le négatif aussi de Bond, Silva, qui rappelle aussi ce qu'on avait vu dans GoldenEye par exemple. Et ça c'est ultra fort de poser ce personnage comme ça. C'est ultra fort, puis en plus c'est ultra fort aussi par la relation supplémentaire et la couche supplémentaire avec M, ce qui finalement implique, comme on disait, bah, James Bond, M, le MI6, l'Angleterre, puis presque le monde entier. Donc on a cette spirale infernale qui va que continuer à grossir, parce qu'en plus on le voit bien que Javier Bardem il est clairement déterminé, il va même aller jusqu'à buter des gens sans remords, comme ça, sans problème. Donc, voilà. Bah, la tête de la James Bond Girl, quand même, la James Bond Girl qui tombe, qui l'assassine comme ça, de sang-froid. Voilà, c'est une scène qui est hallucinante. Ouais, ouais, je voulais garder l'identité de la victime, mais bon, bah, écoute, c'est dit, donc effectivement, non, cette scène de tension. En fait, on l'a dit au début, cette succession de scènes vraiment fortes et cultes, mais à chaque fois, il y a une tension qui marche à tous les coups. On l'avait déjà eu avec cette partie de poker incroyable dans Casino Royale. Là, ça continue. Cette scène sur l'île avec Silva, donc, qui se présente, qui ensuite descend la James Bond Girl de sang-froid sans aucun problème, qui ensuite se fait capturer, mais tu comprends qu'il s'est fait capturer pour une bonne raison. On sent le passage presque de Batman Dark Knight et ce côté Joker qui avait anticipé son arrestation, etc., etc. D'ailleurs, de voir aussi ce personnage mutilé finalement, hein, ce Silva, il le dit que notamment quand il était prisonnier sur sa mission auparavant, il a pris du cyanure, donc en fait ça a déformé son visage. Donc on a aussi ce personnage, voilà, qui a vraiment une vengeance absolue en ça, et ça rajoute un côté beaucoup plus sentimental aussi à l'affrontement qui se prépare entre M, qu'on sent aussi un peu au bout du rouleau, parce que l'Angleterre est contre elle, le Premier ministre veut sa tête après la perte de ce disque dur. James Bond, qui de son côté se fait de plus en plus vieux et qui commence, on a un peu l'impression, à perdre foi aussi en lui et en ses capacités. Et ce personnage qui va venir bouger tout ça. Mais t'as raison d'évoquer le Dark Knight en fait de Christopher Nolan, qui est sorti justement 4 ans plus tôt, en 2008, et puis qui a transformé aussi la manière dont on voit les blockbusters, et notamment les blockbusters super-héroïques. Je trouve en fait qu'on le retrouve beaucoup dans le ton de ce Skyfall. Tu as parlé de la référence au Joker et au plan machiavélique et tout ça, c'est très vrai. Et puis vraiment dans le ton aussi ultra sérieux et le ton globalisé du film, où il y a cette manipulation
dimension informatique aussi qui est très présente, et puis ce contexte, et également je trouve la manière dont James Bond est filmé à plusieurs reprises. Il y a des plans, je vois un plan aussi quand il est dans le garage de Q, il y a un plan à un moment donné où les portes s'ouvrent sur James Bond et il est iconisé en fait comme un super-héros complètement, et qui arrive dans sa Batcave avec sa cave blanche où il y a 50 personnes qui bossent sur des gadgets, donc ouais, complètement. Et puis alors, même s'il y a quand même un soupçon, il y a quelques petits traits, je vais pas dire d'humour, mais des traits un tout petit peu plus légers quand même qui sont présents. Il y a une ou deux phrases, une ou deux remarques, donc on n'est pas non plus dans du plombant absolu de A à Z comme pourrait l'être de Dark Knight, là où plombant n'est pas un défaut, mais effectivement on reste dans un truc beaucoup plus noir et à des années-lumière de certains autres James Bond qui pouvaient presque être nanardesque, en mode poète bourricot. Oui, tu vois, là, t'as raison, on est dans quelque chose de noir et ultra réaliste. C'est ça que je voulais dire aussi avec l'influence du Batman de Nolan, et qui fait aussi qu'on transforme un peu les codes de James Bond dans ce film-là. On a notamment la James Bond Girl qui est vite évacuée, ouais. Qui va pas du tout être un élément central du film. Le retour de Q aussi, vous en parlez dans Casino Royale, Q et Moneypenny qui n'était pas là, ni dans Casino Royale, ni dans Quantum of Solace. La Q revient, c'est un petit jeune, boutonneux, un informaticien, et puis qui va donner simplement un pistolet et une petite radio à James Bond. Et James Bond va vraiment dire presque « Ah, c'est la crise, on a que ça, quoi. » Enfin, là où il s'attendait à avoir peut-être autre chose. Et d'ailleurs, la réponse de Q, vous vous attendiez à un stylo qui explose, on ne fait plus dans ce genre de gadget aujourd'hui. Donc effectivement, il y a aussi là ce contre-pied où on se dit « Tiens, Q, il est là, il va y avoir des gadgets. » Mais en fait, pas du tout. Ça va juste être du gros bourrinage. Mais ça marche assez bien. Et puis, surtout, ce qui marche aussi extrêmement bien dans tout ça, parce que là, ça fait, je sais pas, peut-être un quart d'heure qu'on vous dit que les scènes sont intéressantes, que le scénario est plutôt cool, mais c'est surtout que c'est superbement bien montré. Et ça, c'est un point qui est clairement pas à mettre de côté, c'est que c'est absolument magnifique. Sans faire erreur, c'est le premier film de James Bond qui est tourné en numérique, ce qui permet en fait à l'équipe de vraiment se lâcher sur le traitement de l'image et puis sur la photographie qui est employée. Et ça marche tellement bien. Il y a tellement de scènes absolument incroyables visuellement quand il arrive dans ce casino. Ouais, à Macao. Ouais. À Macao, il y a cette scène de l'immeuble tout en verre de Shanghai où il va y avoir une sorte de bagarre avec un autre agent, ouais, au milieu d'un étage en construction avec des portes vitrées. Donc ça rend un truc vraiment vraiment superbe. Où on joue sur les ombres, les flashs des néons, complètement, etc. toute la partie finale aussi où il va où James Bond va en fait partir avec M sur ses propres traces, en fait sa propre histoire. Il va retourner dans sa maison d'enfance pour y attendre là-bas Silva. En fait, il va attirer Silva tout simplement là-bas. Et là aussi, on est en fin de journée, la maison qui brûle. Il y a des vraiment des jeux de lumière qui sont vraiment vraiment fous. Et je crois que le film avait gagné l'Oscar d'ailleurs de la meilleure photographie, et ça le mérite complètement parce que c'est en termes vraiment d'image et de visuel, je pense, un des plus beaux James Bond qu'on a eu. Tu peux clairement le dire, en termes esthétiques, c'est vraiment le James Bond le plus beau, le mieux mis en scène, le mieux mis en boîte, et on le doit beaucoup à Sam Mendes justement. Qui a fait 1917 là récemment, donc vous avez pu constater un petit peu le talent du bonhomme. En tout cas, en ce qui concerne la mise en scène, voilà. Et puis là, ça marche du tonnerre et vraiment, grosse claque. Et en plus, quand tu sors de Quantum of Solace, qui était vraiment réalisé n'importe comment, où tu ne comprenais absolument rien à ce qui se passait, bah, ça fait du bien de revenir vers quelqu'un qui sait mettre en forme, qui sait te montrer une scène de baston, qui sait te montrer des enjeux, et c'est vraiment, pour le coup, ça marche très très bien. Non, c'est très juste. Et qu'est-ce que je voulais discuter avec toi de la
petite réserve que j'aurais justement sur le film, même si je trouve ça vraiment excellent, hein, c'est dans le très haut du panier, je pense, pour toi aussi, il me semble, dans toute la saga James Bond. Mais il y a quand même des manquements au niveau de l'écriture, même si Sam Mendes est un esthète incroyable. Je trouve que justement dans la gestion de la dramaturgie, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire on va pas développer à fond ce souci de le James Bond affaibli, tu vois, où on aurait pu insister un peu plus là-dessus. Il y a des manquements aussi au niveau de, je trouve, du personnage de M et de la relation avec James Bond. Et finalement, le climax aussi, en termes d'action, ne livre pas, je trouve, même si l'idée, je la trouve séduisante sur le papier, le côté je mets des pièges dans une maison et puis j'attends que mes assaillants arrivent, je trouve que dans la réalisation du truc, c'est pas spécialement le point fort du film, et c'est un petit défaut, je trouve, sur la fin. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. en tout cas, pour la partie finale, clairement, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que, justement, ça continue complètement dans l'idée d'un James Bond où on va se recentrer sur lui, il retourne chez lui, on apprend enfin un petit peu plus de choses sur lui. Ça le permet de l'humaniser complètement, de la relation avec M. Donc, moi, ça ne me pose pas vraiment de problème avec ça, parce qu'on revient vraiment à ses racines, à ce qui font le personnage, qui va être complètement attaqué même dans ses propres fondations, puisque Silva va venir péter sa baraque, familiale où il a grandi. Donc c'est en termes, je trouve, de métaphore, c'est quand même assez fort. Et même si effectivement on aurait peut-être pu attendre un peu plus d'explosion, je trouve que ça marche super bien, parce que justement on est complètement perdu, isolé du monde, avec ces personnages qui ont leur compte à résoudre finalement, la fin de cet affrontement là est pour moi absolument parfait, avec ce coup dans le dos, presque, voilà, il est obligé, en fait, de James Bond est obligé de ne pas pouvoir faire ça dans les règles correctes de l'art, parce que sinon il va pas s'en sortir. Donc non, moi, pour cette histoire de fin, je suis pas d'accord. Je trouve qu'elle marche au contraire très très bien et termine complètement l'arc de ces trois personnages, et pour le coup ça marche bien. Alors effectivement, peut-être que sur l'aspect, on va dire, un peu faiblesse de James Bond, on aurait pu peut-être aller un tout petit peu plus loin. Mais c'est vrai que le film est quand même assez dense. Il fait déjà 2h30. Donc, c'est clair que si tu rajoutes encore, on va dire, toute cette période où James Bond va arriver en souffrant, en ne réussissant pas à faire des petites roulades, en faisant ce genre de trucs, on aurait atteint les 3h, puis ça aurait peut-être été aussi un petit peu long. Et puis pour cet aspect, on met des objets dans une maison, moi je trouve ça plutôt ludique finalement. Il nous reste 3 balles, le vieux fusil de chasse de mon papa qui doit avoir à peu près 54 ans et qui doit plus tirer droit, comment on se défend? Puis là t'es dans Maman j'ai raté l'avion, tu vois, enfin comment on va se défendre face à l'envahisseur qui sera très manifestement beaucoup, beaucoup plus, en tout cas en termes de nombre et en termes d'équipement que nous. Donc non, moi je trouve ça plutôt, plutôt bien. Et Skyfall définitivement se classe dans le top du top en termes de film James Bond, quoi. Très gros retour, et puis très belle performance aussi, justement, de Sam Mendes dans ce film, qui a réussi à se réapproprier, je trouve, les codes de James Bond pour en faire quelque chose un peu à sa sauce, que ce soit visuellement ou thématiquement aussi, à s'emparer de ce scénario. Voilà, et avec des acteurs dire. Et avec des acteurs au top encore. Là, on sent que Daniel Craig, pour l'instant, il apprécie encore être dans la peau de James Bond, ce qui sera peut-être un petit peu moins le cas déjà sur Spectre. Mais là, on sent que lui vraiment apprécie. Javier Bardem aussi, il est au top. Donc, excellent film. Vous avez du temps devant vous. Revoyez-le ou voyez-le tout court. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Robin, de nous avoir présenté ce Skyfall pour ce 13e épisode du Vodka Martini. Je vous ai dit que c'était l'avant-dernier, puisque le dernier, ce sera la semaine prochaine avec toi aussi, Robin. On parlera de Spectre, et ça clôturera donc notre saga des Vodka Martini, en attendant le tant attendu 25e James Bond, qui sortira donc en novembre, vous l'aurez compris. À la semaine prochaine, du coup, Robin. Avec grand plaisir.
Merci à vous de nous avoir suivis aussi. C'était le Saloon et le Vodka Martini. Dites-nous ce que vous pensez des Vodka Martini et puis de Skyfall aussi. On veut savoir ce que vous pensez des James Bond. Quel est votre préféré ? Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de streaming, SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube et autres. Et nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On vous répond, on échange avec vous très volontiers. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Ciao !